Reese Witherspoon et Jim Todd divorcent, raison de leur rupture révélée. Après presque 12 ans de mariage, Reese Witherspoon a récemment annoncé son divorce avec son époux Jim Todd, assurant néanmoins qu'il restait en bon terme. Mais pourquoi l'actrice et son mari ont-ils décidé de prendre des routes séparées? C'est une séparation à laquelle personne ne s'attendait. Ce vendredi 24 mars, c'est sur leur page Instagram respective que Reese Witherspoon et Jim Todd ont annoncé qu'ils mettaient un terme à leur relation. Le 26 mars 2023, Reese Witherspoon et Jim Todd auraient pourtant célébré leurs 12 années de mariage. Mais la vie en a finalement décidé autrement. Dans leur communiqué officiel, les anciens époux se sont voulus soudés et respectueux. Eux qui assurent garder de bonnes relations malgré leur séparation. Nous avons une nouvelle personne à partager avec vous. C'est avec beaucoup de soin et de considération que nous avons pris la décision difficile de divorcer. Nous avons partagé tellement d'années merveilleuses ensemble et nous avançons désormais avec un profond amour. Avec gentillesse et avec un respect mutuel pour ce que nous avons créé ensemble. Notre principale priorité est notre fils et notre famille entière pendant que nous embarquons sur le prochain chapitre. A notamment écrit le couple déjà maman d'Eva et Deacon, né de sa relation avec Ryan Philippe. Reese Witherspoon a également un fils de 10 ans avec Jim Todd, prénommé Tennessee. Si l'actrice et Jim Todd ont décidé de faire bonne figure et de ne pas laver leur linge sale en public. Une source a confié à People les raisons de cette rupture qui a choqué les fans de Reese. Ils passaient de moins en moins de temps ensemble pendant qu'elle travaillait. A confié la source, qui décrit Reese comme une forte tête très bosseuse, et Jim comme quelqu'un de plus détendu. Selon cette même source, le couple avait de moins en moins de centres d'intérêt en commun, elle a 1000 projets en même temps et lui préfère moins de frénésie. A-t-elle ajouté, affirmant néanmoins que ce divorce était difficile pour tous les deux. Petit lot de consolation, les deux ex-époux ne devraient pas faire face à un divorce cauchemardesque puisque, selon US Weekly, ils auraient déjà arrangé les détails financiers en vendant tous les biens qu'ils avaient en commun.